La ville inclusive, elle concerne tout ce qui touche le citoyen dans sa vie quotidienne dans la ville, que ce soit les déplacements, la santé, l'éducation, le logement, mais également la qualité de l'environnement, finalement la façon dont il va vivre au quotidien dans cette ville. Et quand on parle de citoyen, on parle de l'habitant, on parle du touriste, on parle de la personne qui y travaille. C'est bien tout cet ensemble-là qu'on regarde de manière transverse. Et pour tous ces aspects-là, le numérique, avec sa télécommande de la ville, qui est le smartphone, est évidemment au centre, sans que ça devienne l'essentiel technologique de la ville, bien évidemment, mais néanmoins, c'est un outil primordial qui va permettre de changer, de transformer cette ville pour la rendre de plus en plus inclusive. Les acteurs de la ville inclusive, je dirais, au premier plan, c'est le citoyen qui lui-même vit dans la ville, qui va pouvoir parler à la ville via différents outils numériques, que la ville va effectivement, à qui la ville va pouvoir communiquer. Et donc, évidemment, c'est lui qui est au centre. Alors, on a aussi beaucoup d'autres acteurs qui sont les acteurs traditionnels des services à la ville, que ce soit les acteurs qui en charge du transport, en charge de l'énergie, en charge de l'environnement, de la collecte des déchets par exemple. Et donc, quand on parle de ville inclusive ou de ville intelligente, en fait, on travaille forcément avec un ensemble de partenaires autour de deux enjeux qui sont d'une part le citoyen lui-même, comment améliorer sa qualité de vie, et également l'entité, ville, collectivité locale, agglomération, comment pouvoir offrir de meilleurs services et souvent avec une économie de coûts. Orange apporte essentiellement trois choses dans le domaine des Smart Cities. D'une part, sa capacité à intégrer différentes solutions de partenaires. J'ai déjà dit qu'ils ont travaillé avec énormément de partenaires pour faire une ville inclusive, une ville intelligente. Donc cette capacité d'intégrateur qui est peut-être pas la plus connue d'Orange, cette capacité d'opération, bien entendu, puisque il faut que l'ensemble de ces services fonctionne pour beaucoup de citoyens. Et également au cœur de l'ADN d'Orange, c'est l'expérience client. Ici, c'est l'expérience citoyen, puisque l'ensemble de ces nouveaux services doivent contribuer à ce que le citoyen ait une meilleure expérience dans la ville. Et sans oublier un dernier point, qui est un aspect de sécurité, puisque on touche beaucoup aux données et l'enjeu de la sécurité des données est un enjeu clé et qui est évidemment au cœur également de la stratégie d'Orange. Un exemple qui est en train d'être déployé sur la ville de Marseille, dans le quartier Euroméditerranée, c'est un nouveau quartier dans lequel Orange, avec des partenaires, Eiffage et EDF, fournit l'ensemble d'outils numériques permettant un partage d'informations entre les différents habitants, bien sûr en ayant fourni les réseaux, le Wi-Fi, le très haut débit, mais également des nouveaux services comme par exemple la mutualisation de places de parking. C'est un exemple assez représentatif des enjeux d'une Smart Cities où on mutualise des ressources et on fait en sorte qu'on partage l'information entre les personnes qui vivent sur le même lieu. Et pour élargir au-delà de ce quartier de Marseille, on a une opération qu'on est en train de déployer dans plusieurs villes en France, qu'on appelle Ma ville dans ma poche, déployée à Nantes, à Perpignan, à Colombes, également dans le département de l'Orne, qui consiste à rassembler sur un seul écran du smartphone l'ensemble des services dont le citoyen peut avoir besoin dans la ville. Et je terminerai par cet exemple qui montre vraiment ce côté inclusif, puisqu'on va trouver aussi bien sur cette application le menu de la cantine pour la famille qui voudrait savoir ce que son gamin va manger à l'école aujourd'hui, mais également s'il reste des places de parking disponibles ou si je peux encore aller emprunter un vélo en libre service dans mon quartier. Et ainsi, on a un agrégateur de services, de contenus pour la vie au quotidien dans cette ville qui, grâce au numérique, devient de plus en plus inclusive.